Bonsoir les Walos, connectez-vous. En passant, allez chez Kati FMI. J'ai dit que Lolo Fondja, fais un direct là où tes seins sont debout ici comme ça, debout. Envoie. Toi tu as les longs, tu n'as pas de seins, arrive ici, au cuisses. Donc pour faire le direct, il faut que tu embattes tes seins pour montrer un peu. Tu tires ça bien dans les gros soutiens comme ça. Regarde ma part. Élégance. Hein. Le dos, regarde. Il n'y a pas de trace. Le debout de ça. Debout. Monte ta part l'autre pour là où tes seins. On voit le bout de tes seins comme ça. Je suis assemblée. Mes seins sont debout assemblée. Hein. Vous vous mettre la bonne assise contre moi. Une veuve. Eh ben dis donc. C'est Michael Akache, sauve-moi. Merci pour tes bienfaits, oh, c'est Michael Akache. Vous serez toutes humiliées sur la toile. Et après, la paix va revenir. Vivi, matez-vous. Attention. Elle ne pouvait plus supporter l'humiliation de par la mère. Elle a pris la voiture. Elle est arrivée où? En Balibayo. Pour chez la paix là-bas en Balibayo. Par la mère a dit que lui il va faire comme la veuve joyeuse. Kata kata. Par la mère a retiré la. Il a retiré son commentaire qu'il a mis. Il faut comprendre qu'il y a des gens avec les gens. Mais moi, avec moi, c'est quoi? Vous qui avez insulté Mathe Soyer. Vous qui avez insulté par la mère hier. Moi, j'ai d'abord vu, moi je connais votre Facebook. Je vous dis que je vois Facebook quand vous ne voyez pas Facebook. Aujourd'hui, on est où? Et il y a la photo avec Palambert. Antiana, vous pouvez jouer avec mon enfant. Hein? Vous êtes que je suis plus belle, je suis plus sage que vous. Ne comprenez rien. Eh bien, dis donc. Oui, on a. Moi, vous ne pouvez pas suivre deux chantiers en même temps. Attendez. Qui est dans la cuisine? Mettez la sauce là au chauffer ça. Pas Lambert. Matezoa. Regardez bien. Regarde. Capture de camp. Aujourd'hui, là, voilà, pas Lambert, Matezoa ensemble. Avec tout ce que pas Lambert a dit hier là. Je vous demande par la paix, notre braconnier du zoo et le facochet sont ensemble. Le facochet et le braconnier du zoo. Le braconnier a braconné que ho a pam pam. Le facochet s'est rendu. Que vite fait. Call from plan of MTN. Que quoi? Quoi? Que programme a fait quoi? Hein? Voilà! Par la paix! Qui est assis là-bas? Voilà, pas Lambert, le pacochet du zoo. Anti. Regardez très bien. Pas la mère, il me taille à goué. Et voilà, la mère au fond là-bas qui croise les doigts là-bas. Donc. Pourquoi il parle comme ça? Je ne comprends rien. Call from plan of MTN. Yann, va éteindre la connexion ici. Viens ici, je te dis. Va éteindre ta connexion ici. Tu veux, va éteindre, vous êtes connecté dans le truc ici. Éteins là-bas. Enlève ton Bluetooth. Non. Ok. Éteins ton Bluetooth, dis donc. C'est ouvert. Disconnected. Voilà, disconnecté. Donc, c'était ouvert. Mais pourquoi tu dis un peu ici? Je suis sûr que tu tapes. Maman, bon, tu veux essayer de jouer. Tu vois, bon, maintenant. Non. Bon, après, je vais pirater ma putain. Je vais pirater. Ce sont les séjours, même qui a connu. Séjour, c'est qui? Je connais Séjour, moi. Joël. Mais là, c'est Séjour, c'est Joël.
Ne connaissez pas du temps. Vous tous êtes mes enfants, c'est je ou toi, vous tous êtes mes enfants, c'est quoi vous faites cette fois comme ça? Ah. Ah bah, vous vont pas y aller. Oui, mais ça va s'y aller. Elle est way fort. Il y a ça c'est le boss ici. Le boss, ça dit toi, hein. Mais même si tu parles là-bas, le boss va te signaler que, oui. Le boss, dès que tu te connectes ici, tu vas voir comment ça allait. J'attends dans ma chambre. C'est boss. Oui. Il n'a jamais fait ça, les choses depuis quand le boss parle. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui suivent ma conversation. Il faut faire attention. Hey! J'ai su que c'est eux. Tous ils ont ouvert ou bien ils vont des conversations pour aller où? On était où? Mais Waros. On continue, on était où là? Hey! Non, tu sais que c'est le dossier ici. Le dossier de la folle-ci, qui mange la cocaïne en plein dieu là. Donc, le dossier-ci, il faut qu'on parle pour ce dossier. Vous-même, même si votre président voit la qualité-ci, c'est bon ça. Elle-même mange la cocaïne en plein. Elle vient mettre les réseaux sociaux. Marie, qu'est-ce que vous aimez? Dis donc. Je ne peux pas l'ignorer. Tu ignores pourquoi? C'est elle-même qui a fait non. Voilà, c'est elle ici. Vous voyez une folle. Vous avez vu la folle là? Un chi. Voilà. Voilà votre star. Notre star de Jay Lobo qui mange la cocaïne. Vous avez vu? Elle mange ça. Regardez-vous. Les yeux sortent de la vieillesse de ça. Elle mange la drogue. Devant vous. Regardez ses yeux. Regardez, attendez. Regardez bien ses yeux. Hey! Elle bouffe ça. Elle ne sait même plus quoi faire dans sa vie. Elle bouffe, regardez ses yeux. Les yeux sont là sortis. Vous avez vu? Les élites boulous du Djélo. Voilà votre soeur qui mange la drogue. En plein direct. Maman. Vous voyez ça? Votre propre soeur mange la drogue en plein direct. Malik Zimbobuzon. Elle mange ça. Elle siffle ça que roi. Voilà. Anti-Anna. Les élites de Sambelima. Les ouétés là, voilà votre soeur qui se drogue là. Elle bouffe ça seulement. Elle mange seulement ça. C'est une photo qu'elle l'a pris en train de prendre la drogue. Elle prend la drogue en direct. C'est bon. L'animal est déjà pris dans sa cage de drogue. Elle a tellement pris que, comme le banc ne suffit plus de piger ça dans ses sales fesses, maintenant elle vous montre la réalité de sa vie en Europe. Regardez ses yeux. Les yeux d'une débat. Regardez ses yeux. Anti. Oh. Tes parents ont bien fait de mourir avant de voir tout ça. Parce que c'est décevant. C'est décourageant. Parce que moi, je ne peux pas faire mes enfants. Que mes enfants montrent ce genre de choses. Ce genre d'image dans les réseaux sociaux. Tu es une droguée. La vraie droguée, c'est toi. Vous avez vu la drogue. Elle vous montre comment elle prend la drogue en direct. Elle prend des photos qu'elle prend la drogue. Une droguée. Yé malé. Sauvez la femme si. Vous la marée qui se vous en train de prendre la drogue, cocaïne. Regardez là. Yé malé. Malé, malé, sauve Marie-Christine, oh, elle devient folle. La folie, ma folie, oh, 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 oh. Les élites de Sambelima, des souhaiteurs, du centre des écans, pardon, sauvez cette femme parce qu'après ça, elle mange dans les poubelles.
ces femmes qui mangent dans les poubelles, qui bouffent dans les poubelles, attention. C'est une femme qui a été violée. Elle a son fils qui a 35 ans, qui est émaciée, parce que vu qu'elle a fait l'enfant avec son oncle, c'est le même sang. Ton enfant est sorti émacié. Donc là où tu la vois, elle a fait un déni de grossesse comme l'on pipi. Voilà Maxime qui devient folle. Qui se filme en prenant la drogue. Il ne joue ok. Mais maman, mais Walos. Courage. Et on doit prier pour elle. C'est Michel Akange est en train de rendre Maxime aux bête. Ah oui. Oh yeah, malé. Maxime, tu arrives à ce niveau-là, que tu montres comment tu prends la drogue. Après, direct, tu es une drogue. Tu m'as vu pour faire la cathédrale. Moi, j'ai fait ma prendre la leçon à l'époque. Mais toi, tu as montré comment tu prends la drogue en direct. Tu as même filmé. La personne qui t'a filmé là, t'attendais à quoi? Il y a les preuves que tu prends la drogue. Hé, Alide, Marie-Christine. Non, c'est manque les cartes. Elle m'a dit qu'elle porte les tenues des militaires, les tenues des infirmières. Elle les cadre avec la forêt dense. En plus de ça, elle vient qu'elles sont en gros qu'elles sont vertes. En plus, elle prend les deux pas en direct. C'est une droguée de grande classe, de basse classe. Moi, non seulement qu'elle se purge en bas, elle peut imiter, qui peut imiter, jamais. Pourquoi je suis professionnel, ce que j'ai fait? Professionnel! Et alors, passe, un tien, pardon, mais la musique, on met la bonne musique, pardon. Tu as cherché avec moi, tu as trouvé. Ce n'est pas fini. Attends que j'atterris à Paris, je vais te montrer qui je suis. Elle montre comment elle prend, comment une personne qui ne connaît pas comment prend la drogue. Hein? Comment une personne qui ne connaît pas comment prendre la drogue imite une personne qui prend la drogue? Parce que tu es dedans. Hein? Parce que tu es dedans, hein? Les gens savent la Facebook, hein? Elle part souvent faire quoi en Suisse? Parce qu'elle livre la drogue. Elle prend la drogue. Chaque temps, elle va en Suisse faire quoi en Suisse? Traverser. Tu peux vivre avec un babillon sans calculer ma plan. Wow! Tiens, non. Mais on danse. Il y a la connexion. Hein. Et puis, il y a la batterie. Mais wow, ouais, restons là. Moi, j'ai dit, papa, il est malé. C'est vraiment ceci. Tu te ridiculises devant le monde entier. Tu prends la. Tu prends la drogue, tu mets dans les narines, tu te filmes, tu pousses pour moi. Ah là, c'est pour toi, tu te discutes seul. Et les gens qui vont t'enfoncer dedans ne t'aiment pas. Continue. Tout le monde a vu comment Marc se drogue. La drogue, c'est ça. Une drogue. Qui fait les pas quoi là-bas? Et regardez vous-même, les yeux d'une droguée. Les yeux, maman, regarde, elle mange même ça, elle mange, regarde les yeux d'une droguée. La peau, regardez la peau de Mike, c'est mon qui se drogue. Qui fait ceci? C'est qui? Allô? Qui va me dire? Tu peux pas prendre les cahiers pour lire. Pourquoi on a une cahier?
La drogue de la toile, la mangeuse de caca de poubelle. Quand son mari, quand son. Parce qu'il y a eu un problème, mais connaissez-vous. Quand. Parce que d'abord son père a fini avec un amboum. Sa mère est tombée par lui. Elle est morte. Elle-même, elle dit qu'elle m'a dit qu'elle se faisait. Tous les renseignements arrivent ici. Tata, mon objet est là. Tu entends? Elle mangeait dans les poubelles. J'attends, il s'est pour confirmer. Elle mangeait. Donc, elle était enceinte. Elle est enceinte. C'est pour ça qu'elle ne reconnaît pas son fils. Elle mangeait dans les poubelles. Dans les poubelles. À Yaoundé ici. Mais c'est pour ça qu'elle est comme ça. Dérangée. Maintenant, ça va se passer entre les femmes de Jay Lobo. Dans les boules de Jay Lobo. Biawo. Tu n'as pas de toi. Mouf. Tu ne peux rien me faire, tu n'as rien, tu ne peux rien, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Moi, tout que j'ai, c'est moi. Toi, tu as quoi? On t'a tout donné. On t'a donné. Oh, je suis invité, tu es invité par qui? Tu es une vieille maman. Une vieille folle. Mon est une Ningana. Elle écoute plus que moi. Hein? Tu as voilà. Toujours avec les compensés. Montre ta clé. Là où, quand moi j'arrive à Paris, là. Quand je vais à Paris, tu vas voir comment je vais être chez moi. J'ouvre ma porte. Toi, montre quand tu rentres chez toi. Comment tu ouvres la porte? Je suis une femme. Yeah, malé. Oh, malé. Tu sais pas de qui la drogue? Ah. Moi, j'ai des photos de toi. Je veux continuer. Je veux publier ça. Que, ouah. Je vais aller à Vision 4. Je m'en fous de votre Vision 4. Je vais appeler celui-ci. Je parle de mon histoire de la canne. On va me payer pour ça. Tu entends? Ferme ta gueule! Elle dit qu'elle est humoriste. Tu fais l'humour avec la drogue? Tu fais l'humour avec la drogue? Regarde, voilà l'humour que tu fais avec la drogue. Tu prends vraiment. Voilà ma qui se pose, qui prend la drogue. Regarde une vieille mère de 60 ans. Regardez-la. Te voici qui prend la drogue. Hein? Te voici qui prend la drogue. Oui, on est ici au sud. Hein. Voilà, regardez là votre soeur. Oh, les écrambounes. Oh, oh, oh. Même à part demain, je veux mettre ses fesses. Je veux mettre tes fesses comme ça, écartées. Avec les poils ici. Je veux mettre ta vidéo. Il y a beaucoup de vidéos, hein. Là où. Je dis que. Hein, je veux mettre ta part au roi. On t'a dit que tu me connais. Je suis la femme qui me le. Je veux te faire ça du. Pardon. On met la musique, dis donc. Tu es malade, tu t'attaques à qui? Je ne suis pas j'attends ici, hein. Je suis pas. Moi, je suis Bilo et pour Elisabeth. Ce n'est pas toi qui m'as choisi pour la canne. Tu as peur d'affronter les babines. Si tu m'affrontes, moi. Je veux t'affronter que moi. Je veux monter là où tu mangeais la poubelle demain. Elle mangeait la poubelle traumatisée. Elle était violée, battue. Même à l'école, elle a tapé. Même à l'école, on l'a tapé. Violée, battue. Par ses propres frères. Enculée par son propre père. Sa maman a dit que je ne connais plus. Elle est cinglée. Tu parles de moi. Donc, entre elle et moi qui est la drogue, regardez bien la drogue. Regardez bien la drogue. Elle avait tellement pris une débarque, elle savait plus comment faire pour sa sortie. Regarde la droguée. Regarde même les ongles de la droguée. Regarde les ongles de la droguée. Regarde ses ongles. Regardez-moi ses ongles, oh, mes warriors. Les ongles sont sales. C'est ses ongles de la droguée. Ça, c'est une droguée. Une droguée, une vraie. Elle parle. Voilà la photo. Elle parle la drogue. Voilà ça. Tu que tout le monde arrive là. Je vais te montrer que tu es petite. Parce que quand tu fais avec les autres, elle se taise. Avec moi, maintenant. Ada, mon ayam sœur, boulou. On va finir que roi. Tu ne connais pas très bien. Je laisse d'abord voir. Les braconniers. Je vous ai dit quoi? Pour les braconniers et les facochés là que. Le facoché a les épines là qui sont très dures. Pour que le truc entre dedans. Je les laisse d'abord.
Aujourd'hui, ils sont où? Voilà les braconniers et les facochés en train de manger ensemble. En train de ficoler ensemble, non? J'ai dit que non. J'ai quitté si vite. Il faut que je retourne dans mon problème avec le géant vert d'Izo. Où, géant vert d'Izo, qui est qui? Marie-Christine Bobouzen. Avec les caissons verts d'Izo, ma canne à Kouba. Si on voit que bon, à vous, à femme, tu vas faire l'amour avec un homme. Tu vas le prendre les petits trucs très affiolantes, tout ça que le maman a mis et tout. Oh, que d'autres pour ta chante, pour ta caisson vert. Hein? Maman, je veux remettre les vidéos là. Non, maintenant, peut-être tu veux que. Elle va. À Kouka, Tiana. Et puis elle était couchée comme cela. Comment on mord? C'est l'homme qui fait tout. Et puis tu vois comment l'homme sort avec son petit meca. Pas meca. Meca sort avec les petits pénis. Dans les fesses. Qui jouit. Il n'a même pas bien joui. Et puis tu vois comment les spermes tombent. On a tout vu ici. Et c'est toi qui me parles là. Donc moi. Tu ne sais pas que les puissants de ce monde, les puissants de ce monde pour la drogue. Tu ne sais pas ça? Ah ouais. Moi, si je prends la drogue, je ne filme pas les bangas. La drogue est très rare et ça coûte très cher. Et moi, je ne coupe pas la qualité. Eh ouais. Mais tu sais, j'ai envie, me dis qu'il fallait la voir. Une prostituée qui fait le porno. Comme toi, une fille des souhaiteurs, une fille pour le tien et l'homme des souhaiteurs, qui te permet de me parler, moi. Tu es malade ou quoi? Hein? Regarde la mentalité de la folie. Ma folie, oh, 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 regardez. Son camionneur là, de blanc là, qui elle a pris. Qui la loge dans les babawas là, dans les petits villages de France, où c'est voilà votre soeur. Ça, c'est une folle. C'est la folie. Hey! Allons danser les waters. On se calme, on danse un peu. C'est bon de voir les tu vois que moi, ce que tu fais là, malgré que c'est mon zone, ce que tu fais là avec les femmes là, après on te laisse avec moi, c'est balata. Ouais, non. Macadona balata. Un intellectuel qui fait le porno. Avec un gros caleçon. Mais dis donc. Il fait un caleçon, c'est un peu. Je suis dans ce peu. Fouda, oh, fouda. Je veux mettre toutes les vidéos là. Je veux vous donner ça. Je veux sortir tout. Maman, la forêt danse de ça. La prostitution de ça. Intellectuel de mes fesses qui fait les vidéos. Qui fait le porno. Qui fait. Macadona bien, mais il faut balata. Il dit qu'il y a deux camps à Facebook. Mon camp, le camp des maris qui se montrent, c'est tout. On y a comme ça. Là, on a vu ta folie. Et là. Ouais. Et Annie. Si vous croyez que les gens ne vous répondent pas parce que les gens ont peur de vous, non. J'ai dit que ce problème-là, je devais te taire. Parce qu'il faut tuer qu'on parle de toi. À quoi, que maman. Ou tout le monde, oublie que tu me dis. Ah, ma mère, que. Un problème me concerne, toi, tu viens te comprendre ce problème-là, ça te regarde. Ça te regarde pas, hein. Je cherche la musique, excuse-moi. C'est un quoi? Comment celle-là? Battez-vous là-bas, hein? Moi j'arrive, hein? Attention. Ouais, on va pouvoir danser le morceau de. Pas Lambert. Le beau des beaux, le beau des beaux. Ah, tu. Ma fille a formé les beaux, hein. Faites-vous ne pas partir l'eau. On danse. Ouais. Mettez vos organes sur le Facebook.
J'ai regardé Facebook comme la papa choisit de regarder Facebook. Vous ne voulez pas regarder Facebook. Vous ne voulez pas que j'ai dit que je reste avec les géants verts du zoo. Parce que l'affaire de Palambé, le braconnier du zoo, avec ma facochère zoa, ce n'est pas facile. Le braconnier a tous les armes pour tuer. Mais le pacochier a des dents. C'est quand il est dur. Le pacochier n'est pas facile. Vous avez dit que mon zoo n'en est pas facile. Quand je ne veux pas se vendre mon zoo, vous ne comprenez pas. Je vois, quand je mets quelqu'un dans mon zoo, quand je dis que quelqu'un est dans mon zoo, je crois que je vois ton comportement et je te mets dans le zoo. Et je sais qu'il part. Hein? Je vois qu'il part avec. Vous voyez, non? Parce que je sais quand je dis que ça, c'est un anaconda. Je vois qu'il y a un anaconda. Quand je vois que. Avant de mettre quelqu'un dans mon zoo, j'étudie d'abord bien la personne. Je dis que. Parce que je peux dans tous les directs. Je ne dis même pas mes études, je regarde. J'avale comme mes études que j'ai. Et puis je trouve les mots. C'est que tu ici pas avec celui-ci. Oh, je donne. Je ne sais pas si tu as un mot de chopin. Comment le samba? Ils se sont retrouvés ensemble. Le beau des beaux, le beau des beaux. Oh, pas la mer, j'attends le champagne. Le beau des beaux. Pas la mer, le tout-ci. Zoa. Toi et moi, on a demandé au pouvoir. J'ai fini d'abord avec. Le géant vert du zoo. Après, tout le monde va entamer. Qu'est-ce que c'est ça? Mais la paix est bien. La paix est bien. Okay? C'est pour ça que moi, je ne voulais pas tout entrer dans l'histoire de. Mettez les cœurs dans mes warus. Mettez les cœurs, vous ne vous voyez plus. Je ne voulais plus tout entrer dans l'histoire des deux gens-là. J'ai compris que entre les corses et l'âme, ne mets pas ton doigt. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, nous sommes où nous tous là? Vous sortez les organes et vous insultez les gens à tort, à travers. Voilà dans ça. C'est notre beau. Le beau des beaux, le beau des beaux. Oh, pas la mer, oh, la veuve joyeuse attend la bière. Oh, la veuve joyeuse attend la bière, oh, pas la mer. Oh. J'ai bien dit que laissez le braconnier avec le facochère. Parce que le braconnier a l'âme. Et la machette, il a tout. Mais le facochère, là-bas. Non. Au moins, c'est. Même si vous me détestez, vous faites ce que vous voulez. Au moins, j'anime quand même Facebook. Je vous anime quand même. Malgré vos injures, malgré vos désagréments avec moi, au moins, j'ai quand même pris la toile camerounaise vive encore. Parce que c'est la veuve joyeuse qui tient la toile camerounaise. Il n'y a pas de gens qui tiennent aucune stamp qui tiennent la toile camerounaise. Tout le monde est parti chez à Yupougon. La veuve joyeuse est restée pour que zéro paix. Et moi, j'ai créé ma part de problème ici. Aujourd'hui, au moins, ça n'est bien. Moi, je supporte mes zéro paix. On m'en est pas zéro paix. Hein? Quand il voit, il y a que ça arrange là-bas, j'ai dit que. Il y a quoi ici là? Moi, mais j'entends ma part de problème avec les gens ici. Zéro paix. Maman a métisse, maman a buzz, maman a zéro paix. Le beau des beaux, applaudissons sous pas la mer. Le beau des beaux, le beau des beaux. Ouais, ouais, et allez, allez, on va mettre pour la musique. Moi, j'anime moi, je vous anime mes Facebook. Oh, donc, j'aime le beau des beaux. Oh, pas la mer a fini avec nous aujourd'hui. Oh, pas la mer. Le braconnier du zoo. Contacte-moi tout de suite, hein. Mike me joue à quoi, hein. Mike me joue à quoi. Donc fais attention, là où tu mets les pieds. Tu es dans mon gouvernement. Tu es dans mon zoo, hein. Et Néo. Mes chers compatriotes camerounais, je me trouve actuellement au Cameroun, je suis à Sambila. Depuis que je suis arrivé ici, Néo me dérange. Néo, je ne sais pas ce qui se passe au Cameroun.
Mais franchement, on appelle ça prédication pour nous. La nuit, tu passes, le téléphone ne charge pas. On coupe le téléphone, on coupe la lumière chaque temps. On va vivre comment? Voilà, je suis en plein direct. Avec mes wardos qui me regardent, je suis dans le noir. Hein? Edeo. On peut faire ça à la population. Et si quand tu ne perds pas le courant ici, on coupe. Non seulement qu'on coupe, et en plus de ça, on n'a même pas le courant. Hein? Edeo. Heureusement que vous me voyez un peu, mon visage brille, non? Entière. Heureusement que j'ai mis un peu un petit lampadaire ici, comme vous voyez. Voilà la situation au Cameroun. On reconnaît la voix joyeuse par la taille de ses ennemis. Oui. J'ai beaucoup d'ennemis. Ça veut dire que je suis un homme. Je suis une femme. Oui. Tout le monde qui m'insulte là, c'est pas que je vaux quelque chose. Même Néo me déteste. Eh, Néo. Oh, ma soeur, je n'ai pas. Ça vient, ça part. Mais bougez, mais ne se bougez, non. Là, normalement, on se bougez. Les beaux. Fakoche n'a pas accepté cette réconciliation, c'est ça que. Pas des bougies quand même. C'est 150 là-bas. Va prendre des bougies, 150 d'accord? Mm-hmm. 3000 francs. Voilà. Les beaux. Ne vous inquiétez pas. Mais, ne vous inquiétez pas, nous on a la musique. Hein? Et nous! La veuve joyeuse est là-haut. Ils cherchent ma vie dans le noir. Les gens sont en train de signifier la drogue. Ils m'accusent à tort que je prends la drogue. Alors qu'ils sont les champions de la Dougou. Le beau des beaux. Ah! Et Néo a réagi. Et Néo a compris ma douleur. Passe ici dans mon dossier. Je cherche un morceau de vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais on se conseille, cherche. Oh là là. Bien, qui met la musique là? C'est ça? Arthur Michel. D'accord. Va payer la bougie. On a coûté là. Non. Et nous dit d'aller payer les bougies que ma chaîne, tu as fait, vous ne comprenez pas. J'ai un truc là que je dois faire, mais malheureusement,
C'est pas. Quelqu'un avait droit aujourd'hui à une ou une boule. Quelqu'un vient là, il ramasse toutes les trois boules, un autre. Je crois que c'est peine partout. Moi, je suis malade. Oh. Après la bordel, elle va dire que oh. Après, elle va dire que oh, c'est elle qui a demandé à Nio de couper parce qu'elle a son beau-frère qui travaille chez nous. Bonjour, René. On a. Et sous le bas. Elle m'a fait ça du. Après, c'est la réalité des Camerounais. C'est pas. Elle m'a fait. Elle peut faire ça du à qui. Après, elle m'a dit que. Encore acheté, donc je suis dit que. Ouvre tout là. Tu viens faire ça ici. Donne ça. Maman va dire que c'est elle qui a demandé à son beau-père d'arrêter Néo. Parce que je suis en direct. Une menteuse compulsive. Voilà. Bonne journée. Elle a les numéros. Qu'elle envoie les numéros, qu'on vient nous arranger la connexion ensemble. Lima. Non, je te dis. Très bien. Là. Nous allons te dire. Non, bougez, on va profiter, passez à lui. Vous allez manger. Non, ben nous. Bon, tout le monde est en soi. Créez tout le côté à lui. En libéré, oui. Hé, Néo! Mais vous prenez la paix avec qui? Moi je suis femme de paix. Moi je suis vraiment une femme de paix. Quand vous êtes là ensemble, vous n'êtes pas non. Zab, va avoir paix. Zab, je vais assurer que vous êtes là, vous pouvez s'asseoir. Vous êtes là en flèche, comme ça, ça va être bien. C'est Enéo. Vous voulez que je vous montre le doigt? Il n'y a pas la lumière partout. Hein? Regardez. Comment dans le noir? Je vais acheter le groupe la prochaine fois. Tu as bien arrangé? Viens pas sur ce tu es gay là-bas. Zano. Ben, t'es bon. Voilà. Que tu es centre. On se sera fait la lumière partout dans la maison. Voilà.
Comment Jean ça vous éclaire? Ça va vous éclairer que vous voyez. Lito Avasquez, donc tu pries pour que Néo mette tout le peuple camerounais dans le noir. Tu es où là? Non, Lito Avasquez, tu sais, moi je t'aime bien. Alors, va, ce n'est pas pour moi. Moi, je peux faire le tirer dans le noir. La preuve, je peux le tirer dans le noir, d'accord? Je peux mettre la musique ici, je chante, je danse. Tu attends, non? Je ne veux pas t'insulter. Tu aimes Tata Aline, va chez Tata Aline. Je ne veux pas te bloquer chez moi. Il n'y aura aucune paix entre Aline Bomozone. Celle qui mange les caca des chiens, des poux dans les poubelles. Elle a été violée par son oncle. Elle baise avec son propre frère qui pue les essais, qui en gros vend le caca. Tu entends? Alors, elle a montré, voilà ça. C'est que je prends mes téléphones en charge de la journée. Quand tu es bête, on t'a dit que quoi? On t'a dit quoi? Voilà Aline ici. Regarde là. Ça, c'est pas la folie, ça. C'est une folle. Hein? Aucune paix, je ne peux pas faire la paix avec elle. Voilà votre soeur et quand. La grande romancière Marie-Christine Bomozone, c'est qui. Non seulement qu'elle fait le porno, on voit ses fesses partout dans le monde entier. Et en plus de ça, elle se sniffe, elle prend la cocaïne. Là, voici. Dans la voisine de son élément, regardez ses yeux. Regardez bien. Regarde-moi là. Vraiment, regardez là. Regarde, ça c'est l'humour. Ce n'est pas l'humour. Ce n'est pas l'humour. C'est parce qu'elle est comme ça. Elle est vraiment comme ça. Elle est une folle. Bon, d'accord, Victor Abrakas, alors, Vax, voilà. Elle peut être en ligne ou pas, c'est votre problème là-bas. Regardez là. Voilà votre humoriste, votre star, la romancière qui te suit dans la drogue. La voici ici. Les géants des ISO. Elle se prend partout dans la nalle et tout ça. C'est votre maître. Je dis qu'après, moi, je mets ses photos nues. Maman, c'est que je veux laver la femme là. Maman, elle vomit sur elle, elle chie sur elle. Elle écoute comme ça, mais elle est entourée des vieux petits gens. Vous savez, bon, je peux vomir certaines choses, mais je me trouve dans un pays neutre. Qui est le Cameroun. C'est là que se pose mes insultes là, parce qu'elle n'a plus de numéro, elle n'a plus rien. On l'a déjà jeté. Hein? Non, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle est bloquée à sec. De la caramel, tu m'empêches pas à parler. Tu es qui, tu sors de toi? Je ne parle pas de ça. Je veux parler quand j'aurai envie de parler. Je veux que Marie-Christine Bomozone m'insulte bien, que me délivre bien. Quand on aura plus de balles, c'est là où je veux la battre. C'est tout. Mais je vous dis quoi? Elle sait très bien ce qu'elle dit. Elle a en direct là-bas, quitté, elle est allée la suivre là-bas.
Je suis ici. On attend Enéo. Elle a souvent fait ça avec les gens. Le nom de son propre père va sortir. Tout va sortir ici. Comment ça se passe? Elle mangeait dans les poubelles. Elle a été violée. On a pris elle a son premier fils à 36 ans. Son fils a 36 ans. Il dit 36 ans, prostitué. Il est émacié, sidéen. Il a le sida, sidéen, émacié. Parce qu'on ne prend pas derrière. Tu entends? Oui. Marc, si vous êtes toi et moi, hein? Tu vas refaire le tout à l'heure, tu es mouru. Ah, et là, je vais jaillir. Moi, t'as dit que moi, je suis cru dans mes mots. Dans mes propos, je suis cru. Moi, je ne sais pas jouer. Quand tu joues avec une drogue, tu joues avec un enfant, l'enfant finit par te croquer, te mordre un jour. M'entendez? Ton fils est où? Tu es où? Ton gars là même, ok, je n'ai pas venu tourner les gens. Ton gars est venu te dire bonjour à l'hôtel. L'odeur de ça. Dans quelle chambre d'hôtel? Avec combien de personnes laissées? J'ai dit que, hein? Elle le cache où? Elle était avec moi, son fils, à l'hôtel. Oh mon bébé, son fils était à l'hôtel. Mais qu'est-ce que vous pensez? Ton fils était avec nous, non? Il dormait par terre, avec moi. Tu le cachais en haut. Il est émacié. Parce qu'il est émacié, parce que c'est le même sang. Il est SS, le même sang. En plus de ça, il est parti coucher avec une famille, un enfant là-bas et tout ça. Il est tombé, il a eu le sida. Tu n'arrives même pas à payer ton fils les médicaments. La famille est sortie dedans. Hein. Quand tu t'assois, tu parles avec moi, j'attends. Hein. Oui. J'ai mes bougies, ne vous inquiétez pas. Je vais t'essouffler. Je vais t'essouffler, Marie-Christine Bomozon. Eh oui. Maman, je l'ai respecté, dis donc. Quand bien alors, la prochaine fois que tu viens au Cameroun, hein, Marie, la prochaine fois que tu viens au Cameroun, au Tamar Zoudja, tu montes ta maison au village, là où tu as construit au village avec tes frères. Tu vois cela? T'es un. Non, vraiment, Enéo dérange beaucoup. Enéo dérange. Enéo dérange beaucoup. Je vous dis. Moi, je suis en direct, je suis en direct depuis, je suis en direct depuis, je suis en direct depuis. Maman, il y a une chaleur de ça. Oui. Non, on est dans le noir. C'est Enéo, non? Enéo, c'est ça. Enéo nous fait ça du. On a coupé, c'est Enéo, il a coupé partout. Je dis que c'est chaud. Oui, mais oui, effectivement, oui, il est dans il arrive. Oui, il est malade. Il a un hôpital psychiatrique. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, je connais son fils, non, je l'ai vu. Ah. Son fils est à l'hôpital. Il est tout maigre, tout grand de taille, tout maigre. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Ouais, je veux bien détailler ça. Ouais. Je vais tout dire, même Sandrine, ton perroquet là, il va vous raconter sa vie que tu as raconté. Je veux raconter sa vie. Le mépris de ça. Sandrine, ta sœur t'aime. Sandrine,
Ah, putain, venez. Comment tu es, putain, maman? Je finis à soi. Donc, elle n'est pas choisie pour couper aujourd'hui. Laissez-moi voir. Esther Abla. Ma soeur. Non, elle n'a pas sauté aucune paix. Zéro paix. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que cette paix-là, s'il y avait la paix, il fallait attendre que je rentre du Cameroun. Que je rentre un peu du Cameroun, oui. Et, mais elle n'a pas attendu. Elles m'ont attaqué. Mais oui. Mais oui, non, je ne peux pas, je n'accepte pas la paix. Aucune paix. Mais elle insulte ma maman, c'est que sa maman, c'est quoi? Sa maman, c'était un bordel. Des pros d'Aïjo, elle a été baisée par tous les professeurs, par tous les gens de la CIATI, quand son mari travaillait. Et comme elle a baisé avec son propre père, donc du coup, son père lui a maudit. Et comme ça, on l'a jeté, son oncle lui a pris que ma soeur, viens vivre avec moi. Son propre frère cousin, le frère de son père lui a pris comme première femme. Et oui. Moi, si vous avez été baisé par son propre oncle, donc du coup, l'enfant est traumatisé. Il est SS. Il a la maladie des os. La maladie des os. Et il est soigné dans un centre spécialisé. Oui. Vous croyez? Quand on me pousse en danger, je peux me mettre en danger. En danger par qui? En danger par qui? Non. Non, en danger pourquoi? Même si vous savez très bien ce qui se passe, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est pour vous discréditer que quand j'arrive au Cameroun, quand j'arrive à Paris, je ne parle pas de l'histoire de la canne. C'est tout. Que y a quoi? Ce que vous avez, les Camerounais sont là pour tuer les gens. Et moi, tu es par rapport à quoi? M'arrêter par rapport à quoi? Bah, que j'ai fait quoi? J'ai payé mon billet d'avion sur le Cameroun. C'est juste la toile. Les Camerounais ont des problèmes ici. Les professeurs ont appelé les professeurs. Il y a beaucoup de choses. Donc, on va s'occuper des prostituées de la toile. Les prostituées de Mark Zuckerberg. Nous sommes toutes les prostituées de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que vous croyez? Non. Je ne cède pas à ce chantage-là. Donc, toi qui viens pour la paix, je ne suis pas d'accord. La paix de quoi? Oui, c'est la jalousie de Aqua Palace et Eton. Parce que moi, Kissi Mouzinet pense que c'est le même numéro là qu'ils m'ont mis au Eton. Qui m'ont mis à Aqua Palace alors que ce n'est pas ça. J'ai mes amis, j'ai aussi mes numéros. On progresse devient quelqu'un. Je ne suis pas en contact même avec eux. Depuis la canne là, tout le monde a pris son chemin. C'est tout. Elle parle de quoi? Elle a quel numéro? Elle, on a refait ses dents. Moi, on m'a refait ma cuisine. Elle, on a refait sa cuisine, sa maison, ici, là. Où c'est bon, quoi? Moi, on m'a refait quoi? Elle, on a refait tout. Moi, on m'a donné quoi? Elle prend l'argent par mois. On lui donne 2000 euros par mois. Moi, j'ai quoi? Rien. Et puis, que quoi, là? Moi, je n'ai rien. Mais obligé. Je suis depuis ici au Cameroun, je n'ai même pas les nouvelles de qui que ce soit. Personne n'a même pas dit que la vie aujourd'hui voilà quelque chose là-bas. Ils sont tous les ministres sont où ici? Ils sont tous ici au sud ici, non? Les ministres sont ici au sud de toutes les richesses ici. Mais ils me donnent, ils me tendent la main. Ah non. Non, c'est moi, mais humilié. On m'a rien donné. Après, on me met en prison. Par rapport à quoi? J'ai tué qui? Je parle de qui? De mal. Il faut faire très attention. J'ai failli être la dépression à cause de cette histoire. Donc, que par la question, vous êtes fait, très attention avec moi. Je ne peux pas comme on met au sol dans le noir que, malgré que si vous êtes toi et ta misérable famille de merde qui m'insultez là, et tous les gens qui m'insultent pour rien,
que je ne connais pas même. Mais ouais, je connais quoi dans cette histoire? Tout le monde qui m'a calomnié, tout le monde qui m'a fait du mal, le fait pas le faire. Saint-Michel, quand je vais vous abattre et va vous humilier. One by one. J'étais chez moi dans mon bon cas, dans ma pauvreté, calme dans mon train, seul. Moi, j'attendais seulement que, que Dieu, la gloire de Dieu, que Dieu me sorte de ma situation. J'ai cru que la même sorte de la situation, mais malheureusement, c'est allé en pire en pire. Alors, laissez-moi tranquille. J'ai été humilié, calomnié, insulté gratuitement pour ce que je ne connais pas. Alors, je vais me défendre jusqu'au bout. Et c'est avec la carence, je vais me défendre. Au nom de Dieu. Amen. Et tous les saints protestants, tous les saints qui protègent les êtres humains calomniés à tort. Oui. Je défends comme ma main au sol pour tous les gens qui m'ont fait du mal. Que j'ai nourri chez moi, que j'ai gentil avec eux. Malgré ce que je besoin. Hein? L'homme Fondja de Komamougou. Ma main ne rate pas. Ma main ne rate jamais. Je suis une jumelle, vous ne connaissez pas très bien. Mal passe mal. Moi, je ne sais pas plier les crânes. Je ne parle pas à l'église. Ma main, c'est une ancienne de l'église. Je ne prie pas quand elle prie le matin, je ne prie pas. Voilà ce qui commence. Malgré que tu me poses, je t'envoie. Quand tu m'humilies, on a déjà humilié une fois. Le toucher. Oh Dieu, écoute ma prière. Oh Dieu, sauve-moi. Saint-Michel, archange, mon saint, il faut humilier Marie-Christine pour me seule. D'une façon que tout le monde a tué. Elle aura honte. Vous comprenez? Marie Christine Mosen, c'est de quelle arcange va t'humilier plus que ce que tu fais là. Il va t'humilier. Tu as compris? Tu as compris? Tu n'avais plus à résister. Tu fais les vidéos. Tu fais les vidéos chaque temps, les gens rient. Tu penses que les gens, quand tu me suis, les gens rient. C'est un appel ironique du sort. Tu te moques de moi. Ah oui. C'est bien beau de me moquer de moi. Je suis une drogue. Mais alors, entre toi et moi, regarde bien, entre toi et moi, Marie-Christine Mosen. Regarde très bien. Regarde-toi. Qui est plus fort que l'autre? Marie-Reina Cogné, moi j'ai pris le bon Dieu, il va t'abattre. Dieu, fais que si Marie Cogné est enceinte, que l'enfant la meurt dans son ventre. Point. Qui est folle ici? Qui est folle? Regarde la folle. Voilà. Moi je suis folle. Et puis quand j'ai pris ma cocaïne à l'époque, c'est la vidéo. Mets la vidéo, Marie-Christine Mosen. Mets la vidéo. Maintenant, attends-moi que je me lève le matin. Mouf, je veux prier pour toi. Je dis que, voyez, tu es bon. Et famille, je suis. Voyez. On attaque une innocente comme moi. Une innocente qui ne connaît rien. Je m'a imaginé à Cannes. Je connais les Kachanga, je connais mes amis, tu m'accuses moi? Tu m'as cité de droguer? Ah oui? Ah là là, au moins moi je suis une vraie droguée de la vie. Mais la vraie droguée de l'histoire, c'est toi. Regarde-toi. Regarde. Entre toi et moi, qui est drogué? Entre toi et moi, qui est drogué? Marie Waros. Une innocente comme moi. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je ne connais rien. Ta innocente. Oh Dieu, écoute ma prière. Oh Dieu, aide-moi. Oh, Saint-Michel Archange. Oh, Saint-Michel Archange. C'est mec là quand je vais tuer toi.
Oh, sois pas coché, oh, 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 fini là. Oh, c'est la cage, oh, 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 fini. Un bon mozom, oh, 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 c'est Mickey la cage. Oh, hey, c'est Mickey la cage, oh, 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 c'est Mickey la cage. T'es comme un mougou, oh, 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 fini le. Moi, je me sens casse le cou, oh, oh, tu casses le cou. Tu casses le pied, oh, 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 tu casses le pied. Tu as le son d'entier, oh, oh, tu as le son d'entier. C'est Mickey la cage, oh, 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 écoute ma prière. Tout le monde me veut du mal, oh, oh, aide-moi. Vous croyez que je suis en train de m'amuser? Moi, je l'invoque là. C'est Mickey la cage, je dis qu'il va humilier. Va te chemin, boum. Enfin, pas la mère, eux, ils savent ce qu'il faut d'abord aux autres. Michel Akan, j'ai dit que Zoua, le pacochet et le braconnier, pas la mère, ils savent ce qu'il faut d'abord aux autres. Ils savent, je vais arriver là-bas bientôt. Oh, oh, Arti, Anna, oh, veuve joyeuse. Une veuve très innocente. Très innocente, je n'ai jamais rien fait de mal. Je ne suis pas coupable. Non, pas coupable. Mais je ne suis coupable à soudier. On m'a dit que j'ai égorgé mon mari ici là. Je ne suis pas en prison. Je l'ai étouffé. Je ne suis pas en prison. Ouais. La vie, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis non, une innocente agneau de Dieu comme moi. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde par pitié de... Agneau de Dieu, il faut prendre pitié de ma joie. De le long fondia. De Mbomozom. Et de Komamou. Agneau de Dieu. Oh, c'est Mickey Lacan. Viens à mon aide. Combat ceux qui me combattent. Fais en sorte que tout le monde la crève. Hey! Les mauvais gens. Moi. L'agneau de Dieu. Je n'ai jamais rien fait de mal à Facebook. Vous avez pu me placer à Facebook, vous avez insulté mon mari, mes enfants, ma mère, tout le monde. Je vous connaissais. Et on continue. Ah oui. Cher Mickey Lacange. Ah oui, c'est un bel homme, hein. Grande taille, de la barbe, un regard très virulent avec les, comment on appelle ça, les ailes, comme ça là. Continue, vous allez le voir en face. Vous avez vu Saint-Michel Lacange? Moi, j'ai jamais vu, mais j'entends pas de lui. Pourquoi il est apparu dans mon débat? Il est venu me sauver. Maman. Oh, 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 oh. La folle, oh, la folle, la République, oh, 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 oh. Ah, c'est bon. Regarde alors la romancière qui parle de bas. Là, on l'a attrapé. En train de vouloir, on l'a seulement filmé. Oh, j'ai affaibli le nom, son appoc. Mais c'est pas possible, ça. Donc, ma bon, quand même. Il les a carrément coupé de tout, hein. Et les gens, ils ne sont pas bien. Dit, non, je ne sais pas de quoi. Bon, là maintenant, on va les divers, les vrais divers, jusqu'à ce que ça ferme. Je ne dois pas, comme il y a pas la connexion, il ne faut pas que je vienne. Bon. Néo-Arus, c'est Néo, on ne peut pas faire autrement. Je vais vous dire une chose, c'est qu'on dit que le nombre des ennemis de la veuve joyeuse. Mais le nombre des amis dépend qui je suis. Je suis une veuve.
Une femme très joyeuse, une femme charismatique. Eh oui. Vous êtes, toi, tu es qui? Ton statut, Maxime, vous êtes qui? Hein? Les pauvres misérables boulots. Les femmes sans vergogne là, qui te suivent là. Les gens qui te suivent là, ils ont honte de toi. Tu mangeais à la poubelle. Oui. C'est vérifié. Ton père a couché avec toi. Oui. C'est comme ça que ta maman est morte sans te dire au revoir. Hein? Ton père comment on dit, à l'époque, il y avait la bourse, il y avait la bourse des écoles et tout ça. C'est comme ça que son père a dit la bourse des écoles pour envoyer tes enfants étudier. Mais toi, tu es né où? Tu es né à Paris? Oui. Tu es rentré au Cameroun. Étant petit, on te tapait partout. On a commencé à t'abuser de toi étant petit. Ton nom, ton fils qui est né là. Tu as ton fils qui est né. Toute ta famille a abusé de toi, même ton propre frère a abusé de toi. Oui. C'est sorti, hein. Comment tu peux sortir un livre? Il faut lire les phrases de ton livre. Tu parles que des policiers dans ton livre. Tu parles des policiers, tu parles de tout. Pourquoi? Parce que là où tu habitais, tout le monde a abusé de toi. Tout le monde. J'ai encore acheté les bougies, pourquoi? Et pourquoi ça marche pas? Tu veux m'aider un peu à faire ça? Tu veux m'aider un peu à faire ça? Les petits dessus de... Ok. Anti. Chauffe la voiture, mais pourquoi ça ne marche pas ici? Et bien, c'est comment? C'est quoi des bougies ici? Maman, tes livres ne se vendent pas. Il n'y a aucun livre qui se vend. Ah. À cause de sa sale bouche, sa bouche. Voilà ça. Il y a un beau tout le monde. C'est bon? Je dis que la maison c'est... Parce que la maison c'est trop grand. Donc les bougies, il faut... T'es le lit. Attends, on va faire comme ça. Et Néo nous... Et Néo est là. Tu me parles après de cliquer. Mais comme ça me donne la lumière un peu partout. Non, Nina. Tu as plus comme une bougie en fait. Maman, mange non, maman. Mais tu veux qu'on appelle la poisson brisée? Est-ce que tu as mangé la poisson brisée? Tiens, quand elle dit non. Oh, coucou, que magasin est coucou. Mais comment on dit coucou, ma vie est. Oui, grand, non, 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 non. Mais j'ai un peu de gino, comment est-ce que je vais dire? Un peu de gino. Voilà, c'est bon. On l'a mangé, Non, mais dis-moi, on dit non. Va me chauffer ça. Va chauffer la nuit, c'est un moment, il mange. Oui. Oh,
Mais le problème, c'est pas le problème. Mais je vais arracher ce problème-là. On me demande de battre le nian et nan. Ou y a un moyen d'insister. Mais voilà, c'est le néo dérange ici. Oui, non, parce qu'on est à la maison, s'il y a 23 personnes. Les gens mangent au début, tout le monde a tout. On sert vraiment bien. Mais après, là, le soir comme ça, tout le monde, il ne respecte rien. Donc, il n'y a pas de règles ici. Donc, voilà. Bien, toi. Quoi, non, bougie, que bougie, qui signe. On en a. Mais de comment Mbouke va venir au pays, je m'en fous, je suis avec. Je suis avec un. De comment Mbouke. Pas la bougie, Naya! Hein? Oh, je prends la bougie, tu mets là-bas? La bougie, elle est à 100 francs, non? Ama, 100 francs, non? Ni mais de 3000, ma cousine, bougie, elle peut me dire que va être. Non? Un sujet de. La suite directe. Achète le groupe chez moi. Va acheter le groupe chez toi, Décom. Les gars, les gens qui parlent, donc, moi je dois tout faire. Je dois avoir la maison impeccable, je dois avoir tout. Il va acheter le groupe, c'est comment? C'est à 150 000 ici. Hein, il y a un petit groupe à 150 000, non. 150 000 ici, je vais acheter le groupe ici, je vais acheter. Je suis pressé. Père pour moi, non. T'as pas payé les factures, tu es malade, c'est de l'estage, bande idiote. Elle est pauvre de toi. J'en sais. De l'estage. C'est partout, je vous montre. Je vous montre un peu, je mets la bougie. Attends, je vous montre un peu de voir. Là, je sors. Hein. Je vais vous montrer. Bon. Derrière la bougie derrière, je vais montrer un peu comment ça se passe ici. Attends. Voilà, vous avez vu là, chez toi là, c'est dans le noir, regardez bien là-bas. Ça a bougé. On est dans les stages, vous comprenez quoi, c'est tout le Cameroun qui est. Regardez bien, attends, je vous montre bien. Regardez. C'est les riches qui ont les. Regardez, c'est de les stages partout, que tu payes les factures ou pas. Ah. Voilà, là où je vis. La personne qui lui m'a vu là, c'est lui, c'est qui allait de l'estage. Regardez. C'est quoi? De l'estage total. Mais voilà, c'est mort. Regardez. C'est un peu la forêt ici, moi. Voilà, moi, ce qui passe. Donc, c'est là-bas que je vais vous couper le courant. Hein. De l'estage total. Hein? Je ne suis rien. Donc je vais faire comment? Je vais payer. Il y a des petits groupes ici à 150 000. Je vais payer. Ne vous inquiétez pas. Oui. Ah, ma tonphobe. On est bien. Bien sûr, maman. C'est le direct. Il t'agite. Mais il m'agite à faire ça, mais puis c'est le direct, maman, c'est le Japap, non? Tu crois que quoi? Maman, c'est le Japap, ouais. C'est le Japap. Tu vas regarder mes vidéos, maman. Tu m'amènes, non? C'est les règles de Facebook. C'est les règles qui se passent comme ça. Tu es ma mère. Tu dois me supporter. C'est tout. Si je n'ai pas contente de mes vidéos que je fais dans les réseaux sociaux, tu te laisses, tu ne fais pas mes vidéos. C'est tout. Oui, tu es bien enfant. Il n'y a pas de vidéo. On va faire comment? Eh oui.
Il y a les énergumènes qui sont ici que je ne sais pas comment faire pour les bloquer même. De comment beaucoup tu fais quoi ici dans mon mur? Ici, c'est le mur de la reine, c'est qui te commande. Mais je te laisse là. Je te laisse là. Pour que tu me regardes bien comment je vis. Parce que sans moi, ta page ne marche pas. De comment beaucoup. Quoi, comment vous voulez que tu aies fait, hein? On couvre le courant dans tout le monde entier. C'est précisément. Et si la personne passe sa part, ou à les visions se reçoivent, ou à. Mais elle, le groupe chez elle, ça fait quoi? L'autre jour, elle a coupé, non? Elle a appelé le groupe quand? Si toi, elle a appelé le groupe, tant mieux pour elle. L'autre jour, elle a appelé aussi qu'on a coupé le courant, non? Elle n'a pas aimé le groupe. Vous n'avez pas de moi. Je ne paye pas. Je fais mes choses quand moi, je veux faire les choses. Quand elle chauffe la manière, tout n'a rien. Il y a des étages, non? Donc ici, je peux bien habiter ici. Popo habite ici. N'importe quoi. J'ai comme toi, il y a une de là-bas. Là, je cache là-bas où ça est, qui est métier et tout ça. Il n'y a pas d'étage là-bas. Comme tu te connais d'abord. Comme tu te connais. Paul Biya, chez Paul Biya, il n'y a pas d'étage. Bande de chiens. Vous commencez encore avec moi comme la dernière fois. Ça ne marche pas et tout, c'est. Ça ne marche pas. De comment tu es maman, ouais, tu vas bon, hein? Comme les siens, maman, Non, moi je marche pas ici, moi je peux pas manger des trucs comme ça. J'avais mangé, tu vois, c'est ma rue. Là maintenant, il y a même la télé, ça, je vais aller où? Allez, c'est. Ça, c'est même. Le résultat était au long. Là, maintenant, on va faire comment? Parce que moi, je peux pas manger dans le vide, moi j'ai faim. Donc, je dois le recevoir encore comme hier soir. Soit ma nourriture dans cette maison, soit on mange, soit. Tout ce qu'on sait, même comme ça à l'école, après, on a trois ans, on a dit, tu as la sauce, tu mets la marie que ta tante a laissée, tu mets la place, tu viens me donner, on a que nourrir la nourriture de tout lui poser sur la table, tu m'apportes ça, je t'ai demandé ça. Tout juste parce qu'il veut manger, parce qu'il sait que je ne supporte pas les conneries.
Et maintenant, me voici ici au délestage et j'ai faim. Ouais. Mais j'ai un peu de tension, c'est comme ça t'en va. Mais tu ne peux pas. Ouais, non, viens, ma que j'ai. Hein? Je ne peux pas payer un mon souvenir. Mais il est beaucoup couscous. Il m'en a dit, mais c'est. Hein? On l'a nous noyé. Non, Bidji. Non, Bidji, Bidji, on t'en garde. On quoi non, on doit baisser un bien couscous au chauffeur, maman a dit. On doit non, mais dire comme la fille m'a dit, on a que petit couscous est assouté. C'est pareil. Hein? Je pas que tu n'as pas de couscous. Maman a dit, on t'en a. Hein? Tu as bon, maman, il y a un hein? Ah, bah, on a dit. Il m'a dit, mais il me dit, mais c'est ma femme. Tu fais tout avec des emboltes parce que tu ne veux même pas. Tu fais tout à ta guise. Ok. Pour me rendre nerveuse, vous savez que je suis malade, il faut toujours bavarder. Je t'ai dit d'aller prendre la nourriture qui est posée sur la table. On a parlé de ça, toi et moi. Eh. La honte de ça. Mon agent, quand je finis de faire quelque chose et que je refuse. Va leur prendre la nourriture, tu manges ça, hein? Tu m'appelles. Il faut manger parce que là, moi j'ai faim. Moi je voulais, moi j'ai, on m'a fait ma nourriture qui était posée sur la table avec les plantains, à part. Et mon ancienne nourriture, là, il fallait que tu mettes le maintenant là, maintenant, la nourriture de la table était posée là-bas, tout doux. Il arrive là-bas parce qu'il ne veut rien faire. Si tu lui dis maintenant que prends un billet de 500 là, tu vas charger chez Diabaté, tu vas voir comment il va courir. Comme un jeune lion affamé. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. Bon. Et pour un dimanche, il y a mis quand il a fini à boire poisson de nuit. Aucune idée. Moi, je ne marche pas la nuit. Je vais pas savoir si. Parce que là, moi, je ne peux pas manger là. Non, c'est moi qui n'ai pas aidé. T'as vu pendant à Junior, il m'a cartonné au goût. Oh, oui, ça, oui, ça, oui, ça, oui, boum, boum, can. Ah bon, me voici ici là. Je ne bois que de l'eau minérale. Quand que qu'on a un jour, on va le voir se battre là. Aucun foie, je lui donne. Aucun mon nom, mon dieu, mais le peu de temps que je suis ici avec toi. Tu vas bon là. Oublie ça, oublie ma maman, et ça va venir à petit quoi. Hein? Maintenant, quand le Bobby dit qu'il s'est dit, on ne voit que non, mais il dit à table à sujet. Il m'a dit à bruit. Hein? Vous devez voir, il dit, ma boîte, tu m'as dit, hein? Ouais, mais allez. Ma époque, tu m'as dit, Daniel. Tu m'as dit, il m'a dit, t'as dit, je veux ça. T'as tué fait ça, mais juste pour un petit plaisir que tu peux donner, tu n'arrives même pas. Quand il rentre de l'école et qu'il trouve que tout n'est pas encore, tout n'est pas à la normale, je te dis que à vous pour frère, on te gourit. On est bimout. On dirait qu'il y a une bonne ici là. Il ne faut pas vivre comme ça, hein? Hein? Ouais. Donc là maintenant tu ne peux pas arranger l'histoire. Parce que là maintenant tu as mélangé le couscous gombo avec avec le rôti, c'est une nourriture qu'on m'a envoyé de manger. Je vais maintenant manger quoi ce soir. Deux fois que ce soir, c'est pas quoi acheter le poisson brisé là-bas en route. Tout ça en bas, mais maintenant, il va s'arrêter là au cercle sportif pour aller ramasser les conneries que les bordels là font là-bas en route. Et il ne peut même pas arriver à l'endroit sûr. Ouais, bien sûr. De comment, Mugo, tu n'as pas honte, tu viens me décrire. Va baiser ta chienne qui fait la pute dans les camions là-bas. Attends, c'est quoi? Je te bloque pas ici parce que je veux que tu me vois. C'est tout. C'est le problème.
Tu n'as pas honte à un homme comme toi? Ta pute de mère qui fait la pute dans le camion là-bas, tu ne parles pas d'elle? Tu dis, dégage, bon, je te bloque là. Pardon, je bloque plus avec toi. Je pense que tu cherches peut-être quelque chose là où. La pauvreté, je suis pauvre. Tu crois même que je suis pauvre? Tu veux que je parle de toi? Ma mère a raison que parfois, je ne veux même pas répondre aux énergumènes comme toi. Tu baises avec ma soeur. Emilienne et Somba, c'est ta copine. Moi, je suis son nom. Emilienne et Somba, celle-là qui met le cœur dans tes trucs de super. Pasteur supérieur, c'est ta copine. Tu vas venir ici avec elle au mois d'août. Moi, je serai au mois d'août. Tu vas venir là. De comment Mougou baise avec Emilienne et Somba. Emilienne et Somba. Emilienne Abbé. C'est ce que tu veux? Là, je l'ai dénoncé. La femme qui met le cœur dans son trou, c'est toi. Si tu veux, je mets sa photo dans les réseaux sociaux. Et comme ça serait bon. J'ai chassé Emilienne et Somba dans mon mur. Et toi, tu reviens ici? Alors, j'espère que tu as compris mon sens. Tu continues à baiser avec Emilienne Abbé, Emilienne et Somba. La famille de Marigot. La sœur de Marigot, la sœur de la femme de Marigot, tu entends? Parce que quand je vous évite, évitez-moi. Emilien et Somba, j'ai demandé que tu me côtoies plus. Tu demandes à ton bandit de comment Mougou. Tu n'as plus jamais parlé avec moi. Tu n'as pas fait. Ça te fait plaisir comme tu mets les cœurs. Tu baises chez moi avec de comment Mougou, Emilien et Somba. C'est toi qui la vois. Venez me clasher. Alors maintenant là. Tu comprends, tu es content là. Ton nom est sorti ici. Je ne suis pas pauvre. Viens, au mois d'août ici, avec Emilienne Somba. Emilienne Somba, une femme qui est mariée, qui fait la pute dans le camion. C'est la copine de comment qui met le cœur chez Pacha supérieur, c'est Emilienne Somba. On est quelle là? Quand tu maries, dis à ta soeur qui baise avec de comment Mougou qui me laisse. Parce que là, je me suis tué. Là, c'est bon. Laisse un chemin non-retour. Quand tu maries, dis à ta soeur de ne plus baiser avec un petit bandit qu'on appelle de Komamougou. D'accord? Merci. Alors, lâchez-moi la clape. Pauvreté, pauvreté. Toi, pasteur supérieur de mes fesses, tu vis où? Tu vis où? La cuisine rouge de ta mère? Tu vis avec une femme? Tu baises avec les femmes chez moi là-bas? Tu parles de quoi? Il me nie, il est lent. Tu es trop riche. Emilienne Somba travaille dans le camion, elle baisse dans le camion là-bas, à Toulouse. Elle abandonne ses enfants pour aller dans le camion. Toi aussi, de comment Mougou. Elle t'envoie l'argent. Elle te fait les trucs là. Elle t'envoie les WhatsApp Union. L'argent, tu peux récupérer. Tu viens faire Zani, Zani. Tu montes l'argent à Facebook. Tu montes l'argent. Monte encore l'argent maintenant. Monte encore l'argent. On va voir les pieds de 550 que tu montes là. Parce que c'est les pieds de cette femme. Ouais, vraiment celle-ci. Emilienne Somba, Anne Wama, tu baises avec qui? Un petit favorant comme lui? J'ai dit, ton nom c'est Emilienne Abbey. Porte-moi plainte. Et j'avertis la famille Marigot que Emilienne Somba baise avec de Komamougou. Oui. Je suis pas tranquille. Je ne veux droit, je n'ai rien. Tu feras maintenant qu'on soit les secrets de famille, pas les secrets de famille. C'est bon là. Je suis pas tranquille. Regarde-moi, les sages gens comme ça. Vous êtes mariés, vous avez les copains dans la maison, vous baisez encore les petits, vous baisez les camions, et vous baisez encore avec les petits fanfans qu'on appelle de Komamougou. J'étais vêtu, non? Il a eu ce qu'il voulait. Alors maintenant, dégage. Va baiser ta sirène. Tu peux la baiser avec, en plus de ça, sa photo de profil est là avec mon chapeau, je l'ai offert. Sale chien bâtard. Je nique ta race, je nique toute ta famille, je nique votre amour de merde. Ouais, c'est bon. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez que, vous savez que moi, je suis parce que, quand je dis le divertissement, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Que je supporte. Ce mec de Komamougou là, il me suit partout. Il m'humilie partout. J'en ai marre de lui, j'en ai marre de tout. Vous comprenez? Donc je vous ai dit que
Laissez-moi tranquille. J'ai prévenu Emilienne Souba que Emilienne Souba, tu es une femme mariée. Tu as beaucoup de choses. Tu m'as aidé dans la vie. Mais ton bâtard de comment que tu vas te prendre là, franchement, il ne te vaut même pas. Aujourd'hui, on est où? Tu penses que chaque fois qu'il va m'insulter, il va te laisser? C'est ton mari, non? Dès qu'on me suit encore, je vais te prendre tout et ta famille. Je vais avertir ta famille. J'ai commencé à avertir ta famille, Marigo. Kati Marigo, ta soeur. Emilienne Souba, qui vit à Toulouse, baise avec de Komamugu. Ouais, non? Oui. À la guerre comme la guerre, on est d'accord là? À la guerre comme la guerre. C'est quoi? Chaque temps. Vous me prenez pour qui? De comment tu m'as. De comment vous voyez la mienne? De comment de se permettre de me suivre chaque temps? Associé? Mais lâche-moi! Hein? Je vais tout dire. Je vais même mettre. Continue, je veux mettre ta photo. Quand j'étais chez moi, je t'ai filmé. Oh. Je veux mettre ta photo dans mon mur. Donc, Emilienne Souba, Emilienne Abbé, et ton vrai nom, c'est Madame Degremont qui t'a fait dire. Je veux mettre ta nudité, je veux mettre tout. Si tu ne donnes pas, tu ne demandes pas de quoi de lâcher la veuve. Tu entends? Ma soeur, tu es ma soeur, oui, mais ton petit pantalon baise, il te baise partout dans mon appartement. Tu laisses ta famille, ton camion et tout pour venir baiser avec toi chez moi et tu laisses faire ça. J'allais marre. J'allais absolument marre. Donc, Emilienne est sauvage. Je dis que je ne voulais pas arriver là avec toi, mais j'arrive là avec toi parce que tu mérites. Il faut arrêter ton fanfaron de me clasher. Jusqu'ici, j'ai fait comme ça, j'ai supporté votre relation à un niveau. Tu étais mon ami, tu m'as connu avant lui. Tu es tombé amoureux de lui. Même ce que tu l'as raconté. Tu as même pitié plus que même. Donc tu voulais ignace, tu es parti. Tu es amoureux aujourd'hui. Il t'appelle ma sirène. N'oublie pas que tu as une très grande famille. Donc Kati Marigo, demande à ton beau-frère. Demande à ton beau-frère de Komamugu qui baise avec ta petite soeur Emilienne Souba. Demande lâcher. Toi, c'est toi. Parce que j'ai dit que ma boule n'est pas le cimetière. Hein. Le cimetière est très calme. Mais quand le cimetière s'ouvre, c'est le problème. Vous m'entendez? Voilà. Donc j'espère que ce soit vous tous les Camerounais qui me suivez. Vous avez bien coupé. Il faut bien couper les vidéos. Hein. Et envoyer ça à Emilienne Souba. Ma Warriors. Mon ancien Warriors. Qui a préféré sortir, qui a préféré être avec un bâtard qui est sur les fesses des femmes. Emilienne Souba, tu penses que quoi? Que si, toi si, il est sur les fesses, il ne te citera pas un jour. Hein? Vous êtes trop bête. Tu étais mon ami. Là, je vous laisse. Néo aussi donne les mauvais dégagements dans cette maison. Tu dis, on doit faire un aller. Bakuna, que le ébéité le. Non, mais. Ma poubo, vous avez compris, mais j'ai dit, mon souvenir. Je vais manger quoi là? Hein? Quatre-moi, non? Mémé est DJ. Un petit homme en la cuisine. Hein? Un vieux homme, que dit, on gagne, non? On doit montrer ce que nous faisons au commun. On fait la cuisine au petit. On fait un vieux homme. On m'a dit, je faisais le manga dit. Et puis, dit bien, il a dit, il m'a dit, il a 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 dit, Je
Et depuis, bah, on dit. On m'a aménagé sauce tomate au maragon. D'accord, le mot est venu, on m'a donné là-bas sur la table à manger. Ma colo, ça salle à manger, je t'ai dit d'aller dans la cuisine. Là, maintenant, pas tout est là, hein? La femme là, on a mangé hier. Elle n'a pas aujourd'hui. Non, le poisson brisé. Hein? Oui, Macao à 3 ans. Non, pas Macao en bas. Ah, en bas. Là, ouais. Que je les dois deux bouteilles là que j'avais pris l'autre jour là. En bas où on est parti là. Où tu avais dit que tu vas plus manger là. C'est ça, oui. Ils ont ouvert aujourd'hui. Bon, je suis obligé d'aller manger les poissons brisés alors qu'il y a la nourriture ici. Aduna, alléluia, alléluia. J'ai réussi à mon plan. On a tabagné, on a le matin, on a fait un peu de temps, 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 on a fait un Il ne peut y en avoir. Ah, car nous, madame, d'accord, il y a des gens qui ont un bain. On a c'est ta maison ici. Oui, mais non. Tu ne peux pas sortir de cette maison. C'est que pour le temps, ça ne veut pas ça. Là, ton oncle est là. Tout ça, tu as tout ménagé les nourritures. Hein? Lui, c'est un musulman. Ma mère ne mange pas de sel. Moi, voici, ici, j'ai faim. Un des gars, c'est pour tu peux ménager toute la nourriture. Comment on fait comment? Dis-nous. Non, c'est même pas aimé, oui, tout ça. Et puis, il n'y a pas la nourriture. La veuve va faire, elle fait comment? J'aime toujours rester calme. Dans le calme. Quand je suis dans ma chambre en pleine journée, qu'ils sont déjà partis à l'école, je suis zen. L'école, le frère va lever le. Non, on va manger. Vous pensez que c'est le, comment on appelle ça? On avait à préparer tout un tout là. Et malheureusement, on devait faire un truc. Sa bouche est ouverte comme les cercueils. Les cercueils de Mbomzoum. Et ça, les lèvres sont comme la vache qui rit. Vous avez vu Mike Mbomzoum, quand elle a mis le rouge à lèvres. Elle est tellement bête, tellement intelligente que tout le monde l'aime. Personne ne t'aime, hein? Tu n'es rien. Tu ne vaux rien, hein? Oh! Et Néo a fait quelque chose ici au Cameroun. Mais oui. Mais vous parlez de quoi? C'est qui parle ici fort comme ça? C'est moi qui la dérange. Et la maison sera tout tuée. Et pas tout tuée, je dis que ouais, peut-être qu'il y a une autre chose, on m'a coupé aujourd'hui. C'est la nuit qui vient couper. Hein? Les dimanches coupent soit à 8h, donc bien sûr, pas pourquoi. Donc maintenant, là qu'on n'a pas coupé la cheminée, maintenant il coupe maintenant, on va dormir comme la chaleur et ça. Ouais. C'est Enéo qui a coupé. Je vous laisse. Oh, j'ai faim. Bonne nuit. Enéo, nous t'avons dit. Pipi te cherche. Dis que je te la cherche aussi. Enéo. On a une boutique, mais bon. J'ai le teignage, oui, j'ai le teignage, ça fait quoi? Bonne nuit, hein, je vous aime bien, bonne nuit. Bonne nuit, il faut que je cherche ce que je veux manger parce que la nourriture a été mélangée tout. Ma mère, elle a le diabète, elle ne mange pas de sel. Et du coup, on a pris la nourriture, on a mélangé avec le sel. Donc, du coup, c'est un peu compliqué ici aujourd'hui. Donc, il faut que je
Je calme tout le monde dans cette maison et puis on essaie de voir comment on va faire pour manger ce soir avant de dormir. Donc, je vous ai bien bonne nuit. Mike, si vous vous avez une place. Lolo, une place. Tout le monde, c'est une place avec moi. Je vous aime. Bonne nuit. Les gens qui me soutiennent, on va continuer demain. Et je redis que Emilienne est Somba. Dis à ton bandit qu'on t'appelle des commandes de me lâcher. Sinon, je veux sortir beaucoup de choses de ta vie privée. Et j'appelle Cathy Marigot. Madame Cathy Marigot, dis à ta soeur qu'on appelle Emilienne Somba. Je n'ai plus sorti avec ce bandit de Komango parce qu'il va lui mettre de un jour. On va y aller pas cuit. Ta soeur vient tout le temps à Paris, il dort chez moi, il mange chez moi. Je ne veux pas parler. Oh. Je ne veux pas parler. Tu as déjà parlé. J'ai déjà parlé, non. Tu as maman dit que j'ai déjà parlé. Oh, ouais, non. Un de. Abimte. Abimte. Si de Komango ne respecte pas la femme, il va me respecter. Quand tu m'as dit qu'il va me respecter. Donc dis à ta soeur de pas sortir. Dis à ta soeur qui continue leur relation à la con. Mais comme un lâche. Merci, bonne soirée. C'était vraiment quelque chose de très bon ce soir. Je vous laisse. La famille veut me tuer.